vidéo est destinée principalement aux enfants qui veulent continuer, poursuivre leur entraînement avec les mesures de confinement actuelles. Il s'agit simplement de s'entraîner 15 minutes par jour, mais le faire le plus régulièrement possible. Vous pouvez commencer par vous échauffer la tête, avant, arrière, côté, la tête en tournant, faisant tourner le torse, dans les deux sens. On peut écarter les jambes, pousser les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière et regarder au-dessus des mains. On relâche, on ramène les jambes, faire tourner le bassin dans un sens, dans l'autre. Les genoux, avant, arrière, comme on le fait généralement à l'échauffement. Premier exercice, exercice d'équilibre. On lève une jambe, on prend son genou, on lève le bras et on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on descend la jambe sans la laisser tomber, on la pose et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. On pose. On peut faire ce même exercice si on a des problèmes d'équilibre en prenant un appui sur un mur. La vidéo est tournée en extérieur, on peut très bien le faire en intérieur. Exercice de jambes, avec ou sans appui contre le mur. Levez le genou, tendre la jambe, ramener la jambe, poser. Toujours les deux jambes, bien évidemment. Tendre, ramener, poser. La même chose sur le côté. On lève le genou sur le côté. On pivote le pied qui est au sol. On tend la jambe. On ramène. On pose. Si on doit le faire de l'autre jambe, bien évidemment, on permute de l'autre côté. On lève la jambe sur le côté. La jambe d'appui est fléchie. On pivote. On ramène. On pose. Cet exercice peut être répété 5 fois de chaque jambe. C'est amplement suffisant. Ensuite, les positions. Travaille sur les positions. Poids sur la jambe avant. Zenkutsudachi. Maintenir la position. Le torse légèrement de profil. On regarde loin devant. On ramène la jambe sur l'autre. Et on change d'appui. Remarquerez que quand on change d'appui, on essaye de ne pas se lever, de garder le torse et la tête au même niveau. On peut faire la même chose avec le poids sur la jambe arrière. Kokutsudachi. On ramène le pied, on regroupe, on repart. On ramène. En posant la pointe du pied en premier. Ensuite, travaille sur les techniques de parade. Départ en étant debout, une main devant. Le bras qui monte passe devant, on lève. Après on va prendre. Oh non, on refait ce même exercice en reculant une jambe. Le bras qui est devant va reculer, on fera reculer la jambe du même côté. On fera la parade.
Jodan Abeuke. Bien. Ah bon? De l'autre côté. On marque la position. Cet exercice peut être répété 5 à 10 fois de chaque côté. La même chose avec la parade au niveau du torse. Uchi Udeuke. On tend une jambe, un bras et une parade vers l'extérieur. Le bras qui est devant, on le tend, on passe en dessous. Les élèves ont déjà vu ça. On a déjà fait ça en cours. Le principe va être le même. En marquant la position Zenkutsu Dachi, le bras, on tend un bras, on passe le bras en dessous, et le bras qui recule, on fait reculer la jambe en même temps. Voilà. Uchi Adenke. Une troisième parade. On a fait la parade au niveau du visage, au niveau du torse. Maintenant, on va voir le niveau bas. Gedan Marai. On monte un point sur l'oreille. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toutes ces parades que je vous ai montrées, il n'est pas nécessaire de les faire en force. Vous les faites décontractées. On va utiliser le même principe. Le bras qui est devant va reculer. L'autre va monter sur l'oreille. Et le bras qui va reculer, on reculera la jambe du même côté en même temps. 1. On revient. Le bras qui est devant. 2. 3. 4. 5. Voici pour les parades. Vous pouvez faire cet exercice de la même façon. 5 à 10 fois de chaque côté. Sans y mettre de force, ce n'est pas nécessaire. C'est un travail de révision, puisque l'on ne peut pas s'entraîner ensemble en club. Les techniques d'attaque de poing. On va adopter la position Zenkutsu Dachi. Prendre une garde. Tendre un bras à main ouverte. Et le point qui est en arrière va partir vers l'avant tout en frottant bien le coude du corps. On revient. 2. On revient. 3. On revient. La même chose de l'autre côté. Je tends. 1. 2. 3. Les techniques que je vous montre, on peut les faire en intérieur sans se déplacer. Il ne nécessite pas d'avoir une grande surface. Inutile d'aller vite ou fort, juste au ralenti. Le point qui exécute la technique reste bien collé le long du corps. Yakutsuki. Ne pas oublier de respirer. Donc inspirez. Expirez. Inspirez. Tout comme les autres, peuvent être exécutés aussi dans plusieurs directions.
Exemple. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, on peut changer dans 6, 7, en restant sur un cercle. Quelques techniques de jambes. Maguerri. 1, 2, 3, 4. Autre jambe. On prendra soin de ne pas lever les bras ni les épaules. Les épaules sont basses. 1, 2, 3. Ah, et on peut se déplacer dans tous les axes. 1, 2, 3. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, les enfants, de vous laver les mains régulièrement. Je vous retrouverai sur une prochaine leçon. À bientôt.